In this video, you're going to learn how to ensure that your house offer is accepted by a very knowledgeable French realtor. Hello, my name is Rochelle DeMayo, your native French instructor from Beltier Academy. And I'm here with... Oh, my name is Patrick Bellon. So I'm born in France. I arrived in San Diego in 1984. I'm a real estate agent in San Diego since 2009. Patrick, ça fait depuis combien de temps que tu travailles dans l'immobilier? Je suis agent immobilier depuis 2009. J'ai travaillé avec Prudential, Fairchild, Sotheby's. Et maintenant, je suis avec une plus petite compagnie, Platinum California Realty. Je suis passé par toutes les étapes, c'est-à-dire la crise des subprimes. Et maintenant, la situation est complètement différente. En fait, c'est complètement l'opposé. Les prix avant descendaient, maintenant ça monte. Donc chaque fois, il faut savoir manager la situation. En 2009-2010, il fallait discuter tout le temps avec les banques, négocier tout à la baisse. Il y avait deux crédits sur chaque maison. Le deuxième crédit, chaque fois, était pratiquement tout le temps annulé. Et maintenant, c'est l'opposé. Maintenant, c'est pour discuter avec les vendeurs. Savoir présenter son offre, avoir une très bonne relation avec l'agent qui est en face quand on représente un acheteur, bien sûr. Et par contre, quand on représente le vendeur, c'est savoir mettre la maison au bon prix, savoir quelle offre prendre, parce que souvent il y a 10, 15, 20 offres. Donc les négociations, skills, comme on dit en anglais, sont complètement différentes. Alors du coup, Patrick, quels seraient en fait des conseils que tu pourrais nous donner pour être sûr que l'offre du coup elle soit acceptée et avoir du coup toutes ces chances de notre côté? Si j'étais en tant qu'acheteuse, ou des conseils que tu pourrais donner à notre tour social. Okay. D'abord, je dois préciser que cette interview est faite en mars 2021. Donc si vous regardez cette vidéo dans quelques années, la situation sera peut-être complètement différente. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, pour que l'offre soit acceptée, si vous avez un crédit, il faut absolument vous faire, comment dire en anglais, pre-approve par la banque. Que vous envoyez tous les papiers nécessaires au lender. Donc après ça, après qu'il vous ait donné une lettre de pre-approve, ça va aller à le premier underwriter. Le underwriter va regarder tous vos chiffres au millimètre, il va vous demander des tonnes de papier ou pas. En général, il demande tout dans les détails. Et là, donc, votre crédit sera approuvé par le first underwriter. Donc, quand vous arrivez visiter une maison qui vous plaît, que vous faites une offre, il faut pouvoir réduire le temps de contingency. Donc, je vais être un peu technique. J'ai fait de l'immobilier en France, je sais comment ça se passe aux États-Unis ou en Californie. Quand vous faites une offre, il y a ce qu'on appelle les contingencies, c'est-à-dire quand vous rentrez, vous allez chez le notaire, vous avez un certain temps pour faire vos recherches. Le crédit, c'est 21 jours. L'inspection de la maison, c'est 17 jours. Donc si aujourd'hui, si vous arrivez et faites une offre avec 17 jours d'inspection, 21 jours pour le crédit, c'est trop long. Il y a tellement d'offres qu'il faut que ce soit raccourci au maximum. Si vous pouvez faire une offre avec 15 jours pour le crédit, et voire même 10 jours, mais tout ça, avant ça, il faut que vous soyez passé par le underwriter pour votre crédit. Et pour faire une offre aussi valable, il faut que le temps d'inspection soit très court, maximum une semaine. Donc il faut être prêt à 100%. Sinon, ils choisiront quelqu'un d'autre, parfois même à un prix un peu plus élevé, ils partiront avec quelqu'un d'un peu moins élevé parce qu'ils ont plus confiance dans l'offre. Ça s'appelle les terms. Terms au contraire. Prêt à 100%, c'est la leçon que je retiens, Patrick. Exactement. La banque vous dira combien vous pouvez acheter, vous donnera un ordre de prix. Et après ça, vous regardez. Parce que si vous commencez à regarder avant, qu'il y a une maison qui vous plaît, si vous ne l'avez pas, vous serez frustré. Et des fois, vous regardez, il y a des clients qui regardent pour des maisons trop chères par rapport à ce qu'ils peuvent
payer vraiment, et d'autres qui veulent trouver des maisons pas assez chères, ils peuvent faire plus. Donc c'est toujours mieux de passer par la banque ou le lender. Ça, on peut vous conseiller. On a des lenders qui sont très bien. On a même des lenders qui sont français, donc qui pourront vous expliquer le système de crédit aux États-Unis. J'ai même des lenders qui peuvent arriver à vous faire des crédits quand vous arrivez, quand vous sortez de l'avion, pratiquement. Ils peuvent arriver à vous faire des crédits pour que vous achetiez directement un argent. Donc ça, c'est assez rare. Petite pause, go ahead and click that like button right about now. Merci. Patrick, est-ce que tu aurais une astuce en particulier pour justement pouvoir acheter une maison, notamment sur San Diego? Je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment une astuce. Bon, déjà, ça va être dicté par le prix, combien vous voulez investir. Bon, bien sûr, tout le monde veut être près de la plage. Et après, bien sûr, les prix sont beaucoup plus hauts qu'à l'intérieur des terres. Et après, comment on travaille, nous, pour les gens qui arrivent, on parle d'abord avec eux, savoir si les enfants vont à l'école, à quel endroit ils vont travailler, qu'est-ce qu'ils aiment bien faire, s'ils aiment bien marcher, faire du vélo, la nature, ou s'ils aiment être en ville. Donc, selon ce qu'ils nous disent, on va leur dire il faut aller à Danton, il faut aller à Poway, il faut aller à Encinitas. Chaque fois, c'est différent. Donc, quand les gens viennent en dehors de San Diego, qui ne connaissent pas la ville. Après, quand ils connaissent la ville, c'est un peu plus facile parce qu'ils savent déjà ce qu'ils veulent faire et ça va être dicté par les prix. Donc, c'est la connaissance, connaître notre client et savoir l'implication de l'achat d'une maison dans leur vie. Donc, contacter un bon agent immobilier pour du coup que l'agent puisse vous guider et selon les facteurs que vous souhaitez. Voilà, tout à fait. Il faut avoir quelqu'un qui soit proche de vous. L'immobilier, à mon avis, c'est une question de confiance. Donc, quand vous commencez la transaction, vous devez avoir absolument confiance dans votre lender, le banquier, celui qui va vous prêter les sous. Parce que si vous rentrez dans une négociation et puis après qu'il ait du retard, à savoir que le vendeur peut annuler la transaction si votre banquier n'est pas on top. Et avec l'agent immobilier, c'est la même chose. Il faut avoir une grande confiance en lui, dans les conseils qu'il va vous donner. Alors, c'est une chose de montrer des maisons, même de faire une offre, mais après, tout change quand vous rentrez chez le notaire. Il faut avoir là des bons conseils et avoir confiance dans votre agent immobilier. Donc, moi, personnellement, ça fait 12 ans que je fais ça. Je travaille maintenant avec ma femme, Thierry, qui est américaine, et on a une très bonne connaissance du marché de San Diego, des transactions, des termes du contrat, et... je pense que nos clients ont entièrement confiance en nous. C'est un plus pour nous. So subscribe to the channel and make sure that you're notified of the next video that will show you French life and culture and how do you work on your comprehension skills as you listen to different conversations and interviews in French. À bientôt les amis, merci d'avoir regardé. À bientôt de San Diego. Au revoir.